Et donc, revoyons donc ces cartes. Voilà, j'ai tout sorti hors champ, toutes les nouvelles cartes, pour savoir en fait d'où ça venait. Alors, comme je l'avais dit précédemment, il y avait ce souci, on va dire, avec les cartes sur leur niveau d'écriture. Et a priori, il y avait peut-être des problèmes de colorimétrie. Donc, bah, écoutez, moi j'en ai pris quelques-unes. Voilà, donc ça c'est les cartes du jeu initial. Là j'ai lu celle-là, vous allez le lire avec moi si vous le souhaitez, et je ne sais plus laquelle est la bonne, laquelle est mauvaise. Bon, bref, j'ai pas vu de différence en termes de lecture. Alors peut-être que le souci venait effectivement des dos. Donc là, effectivement, donc là on voit le dos, et là ce que je me dis c'est qu'il y a un souci au niveau de la couleur, vous voyez. Alors je vais mettre un petit coup de light. Voilà. Un petit coup de light, je ne sais pas si on voit mieux. Là, on voit peut-être un petit peu mieux la différence de couleur. Donc ça, c'est le pack nouveau. Donc souci, quoi. Souci, pourquoi? Je vais vous montrer donc le dos, on va dire, un petit peu normal des cartes. Tac. Donc ça, c'est une carte de niveau 3. Niveau 3, vous voyez. Alors, a priori, celle-là était de la bonne couleur. Et là, on met celle-là. Et là, pour le coup, c'est pas la bonne couleur. Donc, les cartes correctives sont pas de la bonne couleur. Alors, je sais pas trop où est le souci, quoi. Alors, par contre, cette carte héros, je l'ai regardée. Cette carte héros. Alors là, effectivement, il y avait bien un souci. Ça c'était connu. C'était au niveau de la parade. Donc, effectivement, il y avait ici le symbole de la parade. Donc, on pouvait le savoir comme ça, que cette carte n'était pas bonne. Maintenant, le souci, c'est le dos. Le dos qui n'est pas bon dans la carte corrigée. En tout cas, elle ne correspond pas à mes cartes. Elle ne correspond pas aux cartes, quoi. Je la vois tout de suite que c'est une carte. Donc, est-ce que je la mettrais sous sleeve? Mais ça n'a pas de sens. Donc, ouais, la couleur des cartes corrigées n'est pas bonne en fait. Ils n'ont pas pris la bonne colorimétrie. Donc, bis repetita, on recommence une chose. Donc, je découvre en même temps que vous, hein, de toute façon. Donc, c'est quand même bizarre. Bon, voilà, donc ça c'est un peu étrange. Là-dessus aussi, alors pareil, j'ai regardé un peu les cartes. Donc là, au niveau du texte, il n'y a pas de problème. Au niveau de la carte, je ne pense pas qu'il y ait de problème. J'ai regardé au niveau du dos. Donc il y a peut-être une légère différence de couleur. Donc là, pour le coup, cette carte est slivée. Mais là encore, je ne suis pas sûr qu'ils ont utilisé les bonnes couleurs, en tout cas de l'édition que j'ai eue, quoi. Vous voyez? Donc là, je vais retirer du sleeve pour bien qu'on voit. Ouais, alors là, ça ne se voit pas trop. Hein, mais enfin, quoique, si, ça se voit quand même bien. Et là, il y a un orange qui est beaucoup plus pétant que là-dessus. Et là, c'est mon paquet. Donc, je comprends pas trop ce pack, quoi. Est-ce que ça correspond plus à celui-là? Là, après, il faut de bons yeux. Mais les deux, ça se voit que c'est bon. Là, ça se voit que c'est un peu différent. Voilà, donc, je rapproche à la caméra pour que vous fassiez la différence. Ouais, c'est assez bizarre cette façon de faire. C'est assez bizarre. Ouais, je comprends pas d'où ça vient, mais il faudra peut-être un tuto explicatif de la part de l'éditeur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai checké? J'ai checké ces cartes-là. Donc ça, c'est les cartes originales. Alors, je sais plus s'il y avait des problèmes de cartes. Donc là, je vais regarder avec vous. Donc j'ai retiré le spot hein, quand même parce que c'est moins agréable. Quoique, là c'est vrai qu'il fait un peu sombre, donc je vais vous le laisser, mais je vais réduire un petit peu l'incidence. Voilà. Alors, donc ouais, la couleur est pas tout à fait la même. Ouais, je sais plus quelle était la bonne, quelle était la mauvaise. C'est le problème. Ouais, donc ça c'était les bonnes. Donc ça, les nouvelles, elles ont une couleur un peu plus. Elles n'ont pas la même couleur tout à fait. Hein. Offrande, c'est pas les mêmes couleurs, elles sont plus intenses. Là, je vais regarder. Là, ouais. Bah, les couleurs, c'est pas toujours très homogène, on a l'impression. Là, vous voyez, je rentre un peu dans le détail hein, pour voir le truc. Hein. Mais est-ce qu'il y avait du texte différent? Parce qu'en fait, c'est quand même ça le fond. Enfin, des fois, les dos, ça peut être important. Là, je regarde le texte. Ta, 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 ta. Je vois pas de différence. Alors, des fois, ça peut être des points et des virgules, hein, mais
Reprenez, ne piochez pas, rejouez. Ouais, je vois pas trop la différence. Hein. Donc un problème de dos peut-être. Est-ce que les dos étaient pas bons? J'en sais rien. J'avoue, c'est assez énigmatique ce pack. Hein. Je regarde les cartes de dos, comment elles sont. Est-ce qu'elles correspondent plus? Ouais. Ouais, enfin, moi j'avais pas de problème de dos, hein, donc peut-être ce pacte correctif n'était pas destiné à tout le monde. Moi j'ai peut-être une version, pourtant c'était une des premières éditions, hein, je l'ai acheté à la sortie, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas eu ce problème. Je sais que j'avais des cartes à souci, bah, voyez, dont la carte comme celle-là, hein, où la parade, moi j'avais attaque au lieu d'avoir une parade. Après je vois pas trop les autres différences, donc ça c'est des cartes comme ça. Ce que je sais, c'est que c'est sur carte là, il y avait bien des problèmes sur ces cartes-là. Notamment celui-là qui était mal écrit. Il y en avait quelques-uns à problème. Donc pareil, donc j'ai checké aussi celle-là, ces cartes-là, avec les trois là. Donc là j'ai lu le texte. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a pas. La couleur n'est pas exactement la même. Hein. 2 au lieu de 1. Donc là, j'ai pas vu de différence de texte. Hein. Donc c'est ça qui est étrange. 4 pièces de du prochain jeton d'une pile et demie. Non, je lis, mais je vois pas de différence. Est-ce que c'est un problème de dos? Alors ouais, comme je vous le disais, le dos, effectivement, c'est pas les mêmes couleurs. Donc c'est un peu inutile, quoi. Là, j'ai mon paquet de cartes. Et. Bah, le dos, c'est pas le même, quoi. Donc, pareil hein, pour les cartes dorées, le dos, et c'est pas le même. Donc, j'ai les cartes correctives, mais avec des dos qui sont pas équivalents. Ah oui, je reprends. Pareil, j'en profitais pour rechecker des trucs. Donc, là, je me souviens que cette carte était buggée. Alors, j'ai pas rechecké la liste non plus, mais vous voyez, sur cette carte initiale, vous gagnez ou attaquez parade X. Ou respectivement la valeur d'attaque ou de l'armure de l'ennemi a rendu au supérieur. Donc en fait là il y avait un souci dans la carte originale, c'est qu'en fait on gagnait la moitié, c'est expliqué pourquoi il y avait un rendu au supérieur, parce que sinon ça n'a pas de sens. Gagner attaque X ou parade X qui sont l'attaque ou l'armure arrondie au supérieur, je crois qu'il y avait une histoire de moitié. Et là on voit un symbole avec la moitié. Vous voyez, la moitié, donc je crois qu'il y avait un souci là-dessus, j'en suis pas sûr à 200%, mais. Donc voilà, a priori le bug n'a pas été corrigé. Donc c'est un paquet de cartes buggées. Enfin bon, sur la carte attaque parade, c'est bon, mais en fait, c'est pas vraiment bon, quoi. Donc là, c'est peut-être la chromie qu'il y a donc, dans la nouvelle mouture. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Donc si vous avez une idée pourquoi, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Moi j'ai pas. Là j'ai survolé rapidement les trucs, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été réglées. Les couleurs sont pas bonnes pour les héros. Là, je vois pas. Donc je vois pas trop. Donc écoutez, si vous avez des commentaires à me faire, des choses à m'expliquer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous êtes aussi un amoureux de Mage Knight comme moi, et puis voilà, on échange, on en discute, mais bon, je comprends pas ce pack correctif. Je vois que faudra voir au détail ce qui a été corrigé. Donc là, je vous l'ai fait en live dès que je l'ai reçu, mais voilà, on regardera. Je referai peut-être une vidéo là-dessus pour regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la loupe. Je vous dis à bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut, et sinon. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.